Mathématiquement, c'est encore possible. Il faut tout faire pour y arriver. À partir du moment où c'est possible, il faut surtout ne pas avoir de regrets. Et c'est là le plus important. Je pense que être capable de gagner 6 ou 7 matchs, même si c'est vrai que les chiffres ne plaident pas en notre faveur, on peut être capable de le faire et à compter de demain. Voilà. L'année dernière, en CFA, c'est vrai qu'à 6-7 journées de la fin, personne ne nous voyait monter. On a réussi à faire une série de 6 ou 7 matchs avec des victoires au bout. Bon, aujourd'hui, c'est dans le mauvais sens, c'est pour ne pas descendre, mais il faut y croire et penser qu'on peut être capable de le faire. Voilà. Stop. Il faut à tout prix gagner parce que, comme j'ai dit, c'est certainement l'une de nos dernières chances. Maintenant, l'enjeu, ni le monde qu'il pourrait y avoir dans le stade, ni l'ambiance ne doit nous inhiber. Au contraire, ça doit nous porter et se dire que c'est un privilège aussi de pouvoir jouer devant tant de spectateurs et aussi pouvoir prendre du plaisir, savourer et faire de bonnes choses et gagner si possible. J'aimerais être à leur place et être joueur dans un stade comme ça. Aux trois quarts pleins, je pense que c'est le rêve de tout joueur. Quand j'étais joueur et quand je jouais ici devant 2000 personnes en Ligue 1, c'est arrivé, même moins de 2000. Et qu'on voit aujourd'hui l'engouement qu'il y a autour de l'équipe et du club, je pense qu'il faut se vider la tête et penser qu'au foot et à jouer. Voilà, chacun sa partition. À moi de faire en sorte que ça joue bien en harmonie. Eux, ils sont là pour jouer, moi je suis là pour coacher. Et voilà, moi je suis le garant du résultat, positif ou négatif, ça sera le mien. Eux, ils n'ont qu'à penser à jouer, c'est tout. Voilà.